ce geste de toi viendra mon secours. Viens se mettre dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 12 juin 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Aujourd'hui, pour la chronique du mercredi, hein, de cette vie qui rayonne, j'aimerais qu'on approfondisse ensemble, si vous le voulez bien, ce choix que Dieu nous propose. Il dit dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, hein, pour ceux que ça intéresse, au chapitre 30, verset 19, voici, Dieu dit, « Voici que je mets devant toi la vie et le bonheur ou la mort et le malheur. Choisis donc la vie afin de vivre, toi et tes descendants, etc. » Un très beau texte, et je sais très bien que Jésus connaissait par cœur ce verset-là. Et c'est comme si, aujourd'hui, cette question-là nous est posée encore. Qu'est-ce que tu choisis? Hein, à chaque jour, on a le choix de ce qu'on cultive dans l'invisible de nos vies, hein, dans le ciel de notre âme, dans notre vie intérieure. Qu'est-ce qu'on choisit de cultiver comme pensée? Est-ce qu'on a des... Et ça nous arrive à tous, il n'y a personne de parfait en ce bas monde. La perfection n'existe pas. Donc, on a tous des périodes creuses. Mais quand on y pense, quand on peut se le rappeler, qu'est-ce qu'on choisit? C'est important de cesser de cultiver la plainte, la critique, envers nous-mêmes, envers les autres, envers le monde, envers... C'est pas constructif. Choisir la vie et le bonheur, c'est choisir de cultiver la bénédiction, la confiance, l'espérance. Parfois, quand notre vie va pas bien, on a le goût de choisir de déprimer. C'est pas toujours un choix. Parfois, ça se fait tout seul et puis on a besoin de soutien, on a besoin d'aide. Allons chercher de l'aide. Mais quand on a le choix, hein, ce matin, je respire, je veux me connecter à Dieu, à la joie de Dieu, à la vie de Dieu, à la paix de Dieu, à la confiance, à la source de la confiance et de l'amour, et je choisis de m'émerveiller. Et ça, c'est l'attitude de l'enfant. Bienheureux ceux qui... Hein, qui nourrissent leur cœur d'enfant en s'émerveillant. Comme c'est beau ceci. Et là, avec l'été qui est à nos portes, c'est, moi, je trouve que c'est plus facile encore, les fleurs, les papillons, le ciel bleu. C'est plus facile de s'émerveiller et de dire merci. Profitons-en. Saisissons l'occasion de s'émerveiller encore plus. Et le soir, au coucher, rendons grâce, faisons la liste de toutes les belles choses qui se sont passées dans notre journée aujourd'hui. C'est un autre beau moyen de devenir des personnes pleines d'espérance, pleines de joie, de confiance, de sérénité aussi devant l'épreuve, parce que quand on fixe notre regard vers ce qui va bien, quand on choisit de rendre grâce, de s'émerveiller, les choses deviennent plus légères. Notre vie devient littéralement plus belle. Donc, ça vaut la peine de faire ce choix pour la vie, pour l'amour, pour la bienveillance, pour la gratitude. Entrons dans ce beau mouvement. Et si on a de la difficulté, demandons l'aide de Dieu. Viens m'aider, Seigneur, parce qu'on dirait qu'aujourd'hui, je ne vois pas le beau. Viens me donner tes lunettes pour que je puisse voir. Viens mettre ce filtre sur mon regard pour que je puisse comprendre à quel point la vie, elle est belle. Un moyen concret, si vous avez l'occasion de célébrer l'anniversaire de quelqu'un, pourquoi pas lui dire ses qualités? Ça fait du bien. À chaque anniversaire, moi, je sais que ça se fasse. Je dis aux gens qui sont là avec moi, et si on lui disait pourquoi on l'aime? Et si on lui disait pourquoi c'est une merveille, cette personne-là? Pourquoi c'est bon pour nous de l'avoir dans nos vies? L'émerveillement peut aller jusque-là et c'est très constructif. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. C'est avec beaucoup de joie que je vous présente encore une fois ce magnifique cadeau, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Je la porte présentement. Il s'agit de la Croix de la paix qui est en épinglette. C'est plaqué en or véritable, déjà béni, et c'est fait fabriquer par des artisans du Québec. Vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ Je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout mon cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que bientôt, comme vous le savez, ça fera déjà 30 ans que cette émission existe et moi, je vous remercie de tout mon cœur. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, la Croix de la paix qui est en épinglette. Elle est plaquée d'or véritable, déjà bénie. Je vous rappelle que vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ et à la fin de l'année, on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout mon cœur. Et je vous rappelle aussi que sur notre site Internet, vous pouvez, vous le voyez à l'écran présentement, aller cliquer là-dessus et vous allez voir que vous pouvez voir les émissions de télévision gratuitement, quand vous voulez, à l'heure que vous voulez. Et toutes les émissions sont là, autant celles du dimanche que du matin. Bye bye. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant l'abbé Stéphane Roy pour l'homélie du texte d'aujourd'hui. Bonjour à toi, bon mercredi. Aujourd'hui, l'Évangile est tiré de Saint Matthieu au chapitre 5. Les versets 17 à 19. On se trouve à ce moment-là dans le sermon sur la montagne. Et Jésus a cette affirmation. Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et il dit que celui qui va enseigner ces commandements-là, eh bien, même le plus petit va être le plus grand dans le royaume des cieux. Ce rapport à la loi, ou plutôt, ce rapport aux commandements, aux préceptes, me ramène à des personnes dont je t'ai déjà parlé et qui sont très importantes dans mon cheminement spirituel. Saint Silouane et Saint Sophronie. Silouane est un moine russe qui a immigré en Grèce sur la péninsule Athonite, hein, le mont Athos, et où il a passé sa vie comme moine. Et Sophronie était aussi un Russe, mais qui, dans sa jeunesse, a fait un peu le tour de l'Europe parce qu'il était peintre. Il a abouti en France, et puis, à un moment donné, il a décidé de se faire moine. Donc, il est parti au mont Athos, et c'est là qu'il a rencontré Silouane, qu'il en a fait son père spirituel. Silouane, avant de mourir, lui a donné quelques feuilles que j'ai pu tenir dans mes mains, d'ailleurs, hein. Eh bien, parce que j'ai eu la chance d'aller dans le monastère que le père Sophronie a fondé, puis rencontrer des moines et des moniales qui ont été formés par lui. Eh bien, il est retourné, lui, après ça, eh bien, en Europe, et puis il a fondé un monastère en Angleterre. Et le père Sophronie,
lui a écrit beaucoup. Et à partir de la doctrine, de la philosophie, de la spiritualité de Saint-Silouane. Et sur le sujet qui nous concerne, la loi, les commandements, les préceptes, eh bien, il a tout un regard qui est très inspirant. Pour lui, il ne s'agit pas d'une question de moralité. Il s'agit d'une question de vie. Et il dit que, eh bien, les paroles de Dieu nous sont données pour être, comme Jésus dit, esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Donc, à travers cette révélation biblique, c'est Dieu qui se donne. Il se révèle. Il se révèle non pas comme une image, non pas comme une statue, mais comme une vie qui se donne. Une vie qui se donne parce qu'il nous appelle à vivre de sa vie, de vivre la vie divine, d'être les enfants du Père. Et donc, en accueillant ses paroles, ses commandements, ses préceptes, eh bien, et en essayant de les vivre, de les ajuster à notre vécu, ou de nous ajuster à elles, c'est plutôt que d'accomplir des normes morales, eh bien, de cheminer et de grandir à la ressemblance de Dieu. Hein? Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance, nous dit la Genèse. Et ça, je trouve que c'est tellement quelque chose de plus beau, plus profond, plus positif, eh bien, que des préceptes moraux qu'on aime bien édicter, pharisiens que l'on peut être, en jugeant ceux qui ne les vivent pas, et souvent ne voyant pas la souffrance derrière. Jésus, hein, aux pharisiens, il va dire, « Vous chargez de fardeaux les gens dont vous n'êtes même pas capable de remuer du doigt. » Non. La parole de Dieu, la vie divine, si elle est appelée à se propager, c'est davantage, non pas par le dire, mais par le vivre. D'ailleurs, il va dire, « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Si vous vous aimez les uns les autres, c'est en vous voyant vivre qu'étonnés les gens vont se dire, « Hey, regarde-les, ça donne le goût. » Que le Seigneur te bénisse et te garde tout au long de cette journée. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois de juin, la Victoire de l'amour vous offre ce cadeau du mois, cette épinglette, la Croix de la paix. Plaquée en or véritable, elle est déjà bénie. C'est fabriqué par des artisans québécois. Merci pour vos dons. Je suis heureuse de vous l'offrir, cette croix, parce que vos dons permettent qu'on continue d'annoncer la victoire de l'amour à la télévision. Quelle merveille! Mais sans vos dons, sans votre générosité, sans votre soutien, cette démarche est impossible. Merci de continuer de nous soutenir. Bonne journée. David Bernard. J'étais dans une souffrance tellement intense, émotionnelle, intellectuelle, physique, à tous les niveaux, que j'ai envisagé, oui, l'idée de m'enlever la vie. On va s'aimer encore au travers des bons coups, au travers des déboires, à la vie, à la mort, on va s'aimer encore. Quand nos enfants vont partir, qu'on les aura vus grandir.